Bonjour. Nous allons maintenant expliquer l'expression de la durée. L'expression de la durée se fait à travers une notion de temps exprimée en quantité qui peut être contenue dans un verbe comme le verbe durer, se prolonger, s'effectuer en ou bien mettre. Verbe auquel on ajoute une quantité de temps. Voyons un petit peu en contexte. L'exemple suivant. La combustion dure, le verbe durer, et la quantité de temps, 2 heures. Ou bien, le véhicule met 8 secondes à atteindre 100 km à l'heure. Nous pouvons aussi exprimer la quantité de temps avec les prépositions « en » et « pendant » auxquelles on ajoute la quantité de temps. Par exemple, ce dispositif se déclenche en 20 secondes ou bien il fonctionne pendant toute une journée. Notons que si l'on emploie la préposition « pour », on va exprimer une durée programmée. Par exemple, on a rechargé les batteries, il a de l'énergie pour une semaine. Maintenant, nous passerons à voir l'expression d'une action qui dure. C'est un peu plus compliqué. Il s'agit de voir lorsque la période de temps commence, la quantité de temps qui s'est écoulée depuis le début de l'action, plus la quantité de temps jusqu'au moment présent, le moment où nous parlons. Par exemple, cet appareil fonctionne depuis 1990. Lorsque nous employons la préposition « dans » avec une quantité de temps, ce que nous allons exprimer, c'est une durée, mais une durée qui prend son point de départ dans le présent et qui va vers le futur. Par exemple, le programme s'exécutera dans 1 heure. Voyons maintenant lorsqu'une action verbale commence à un moment précis dans le temps. À ce moment-là, nous emploierons « dès ». « Dès » avec un nom indiquant une action à son début. Par exemple, l'explosion se produit dès le démarrage. Le démarrage est une action qui se produit et qui constitue le point de départ de cette action. On peut aussi trouver « dès » employé avec une date. Par exemple, ce système s'est généralisé dès 2002. Pour indiquer la fin d'une action évoquée, on recourt à la préposition « jusqu'à ». Par exemple, les données seront notées jusqu'à la fin de l'expérience. Voici en ce qui concerne l'expression de la durée. Merci.